Voilà, c'est bon, j'ai terminé le nettoyage. Donc là, on le voit, hein, les structures sont beaucoup plus aérées. Vous découvrez peut-être même la structure des branches. Là, vous voyez que c'est assez densifié finalement à l'intérieur. Avant, c'était vraiment une grosse boule verte, mais on ne savait pas si c'était tenu que par une branche. Là, on voit vraiment la structure. Ça se divise de partout. Donc ça, c'est super intéressant. Moi, j'ai fait la sélection, bah, comme je vous ai dit, j'ai enlevé tous les petits feuillages qui pendouillaient, qui étaient faibles, qui étaient entre les aisselles des branches, qui étaient mal dirigés, etc. Ça m'a permis vraiment de faire un gros nettoyage et aussi de nettoyer vraiment le long de la branche jusqu'au pompon final. Le fait de faire ça va permettre de faire de beaux plateaux bien ouverts et la lumière qui va rentrer justement au sein des branches va permettre le bourgeonnement en arrière sur le bois et ça va se remplir pour faire un plateau de plus en plus dense. Donc il faut vraiment aérer les structures pour créer justement des plateaux ensuite qui seront denses plusieurs années après. Je me suis aussi séparé des grosses branches en bout de branche. C'est-à-dire que là, par exemple, il y avait une branche qui était constituée de plusieurs ramifications. Bah, j'ai supprimé certaines grosses parce qu'il y en avait des plus petites en arrière pour justement travailler sur la conicité et pas avoir un gros tube avec le feuillage au bout. Et ça a permis aussi de nettoyer. Donc on a des petits moignons comme ça un peu partout. Et ça permet de faire des petites gênes cachées comme ça dans le feuillage. Et puis aussi le long des petites branches, j'ai essayé de gérer une alternance en quinconce de droite à gauche pour pas qu'il y ait de symétrie. Parce que si on garde les symétries, on ne pourra pas ligaturer proprement parce que certaines branches vont appuyer sur d'autres. On ne pourra pas ligaturer deux à deux proprement. Donc là, tout est bien espacé de droite à gauche. Et ça va aider pour la ligature. La seule chose pour l'instant que je laisse, c'est la longueur des branches, parce que pour l'instant, comme je n'ai pas mis en place les plateaux, il peut s'avérer que à la fin de la mise en forme, bah, finalement, je me sépare de la longueur ici pour garder que du feuillage compact et proche du tronc. Mais ça sera à voir après. La seule difficulté, c'est que pour les genévriers, il ne faut pas non plus supprimer toutes les flèches. Moi, j'essaie de garder au moins une flèche par branche pour qu'on garde de l'énergie sur cette branche et qu'elle ne soit pas délaissée par l'arbre. Donc maintenant, on passe sur le plus long. La ligature, comme d'habitude, fil de cuivre. Il y a juste un détail, comme on peut le voir, la première branche, elle a une insertion très étrange. Ça fait vraiment un palier droit et puis ça redescend. Et ça, c'est pas très esthétique. J'ai regardé techniquement si je pouvais le plier et en fait, avec la ligature, ça va pas suffire. Donc, je vais tenter une technique, c'est la technique de la pince à fendre. Je vais fendre la branche en fait en deux, sans la couper, hein. Ça sera juste le long. Et ça va permettre en fait de donner un peu plus de mou. Évidemment, tout ça, je vais le rafiater, je vais le protéger. On va gagner du mou sur la branche, je vais pouvoir plus l'abaisser. Donc j'aimerais vraiment l'abaisser comme ça et ensuite la faire remonter pour les plateaux. Mais là, je n'ai pas vraiment envie de garder cette raideur. Donc je vais utiliser cette technique. J'ai préparé le rafia aussi à l'avance. J'ai préparé qu'une seule bobine, hein, ça va suffire. Hein. C'est juste pour protéger le départ, pour bien maintenir la branche serrée, parce que évidemment, elle sera ouverte sur la fente. Et puis si jamais cette technique marche pas, bon bah je vais essayer de la descendre au maximum. Et dans le pire des cas, si la branche ne survit pas, ça serait vraiment dommage. Et bah au final, on va faire un lettré plus épuré avec cette première branche qui va la remplacer ou celle-ci. Et puis on pourra toujours se débrouiller pour faire un arbre un peu plus élancé et lettré, donc avec très peu de branches. Donc c'est parti, on va fendre le départ de la branche. Alors du coup, je prends ma pince. Dès que je vais resserrer, en fait, ça va faire vraiment une ligne droite. Je vais le faire ici dans le prolongement de la branche et bah, ça va permettre de séparer la branche en deux. Je vérifie bien de l'autre côté si c'est bien placé. Donc là, je vais jusqu'au bout, hein, jusqu'à ce que les dents se rejoignent. Là, je desserre. Alors c'est vrai que c'est impressionnant comme technique. Et je dois avouer que c'est la première fois que je la tente. Donc c'est pour ça, je ne m'aventure pas sur des arbres de très haute qualité. Faut faire son expérience sur des petits arbres parce que si on tente pas, on le fera jamais. Hop. Alors je vais en faire un peu plus proche quand même parce que c'est là qu'il faut quand même que ça plie. Voilà. Donc on va regarder ce que ça a donné. Ah oui, là franchement, là j'arrive à faire un tout petit mouvement en plus. On peut le faire horizontalement et aussi verticalement pour encore plus alléger la branche. Le plus dur, c'est vraiment de bien placer la pince pour que ça pince au milieu. Voilà. Là, je pense que ça va suffire, hein. La branche, du coup, elle est ouverte sur quatre coins.
Ah oui, là j'ai vraiment gagné en flexibilité, c'est vraiment impressionnant. Donc je rafiate, je m'arrime ici, à ce niveau-là. Et c'est parti. J'ai rassemblé 10 brins ensemble. J'aime bien comme ça, j'ai une bonne épaisseur. En plus de ça, je vais mettre de l'auto-vulcanisant. Comme ça, ce sera bien étanche, ce sera bien serré. Alors, il y a aussi les chambres à air aussi, ça marche aussi. Donc maintenant, évidemment, on passe à la ligature de l'ensemble de l'arme. C'est parti! Alors c'est bon, j'ai fini de ligaturer entièrement l'arbre au fil de cuivre. Donc vraiment tous les bouts de branches hein, sont ligaturés, je peux vraiment donner du mouvement jusqu'au bout. J'ai fait le pliage de la première branche pour voir s'il y avait suffisamment de fil et que c'était suffisamment bien arrimé. Sinon j'aurais rajouté du fil, donc j'ai testé et je suis content, ça a bien plié. Hein. Avant la branche arrivait vraiment droite et ça descendait. Là j'ai réussi à faire une courbe continue. Au fur et à mesure que j'ai ligaturé, je me suis rendu compte au final, peut-être qu'on devrait finalement se mettre sur cette face-là. En fait, j'ai réincliné un peu plus le pot là, comme ça, vers l'avant. Et ben, en fait, je pense que ça marche beaucoup mieux. Pour plein de raisons. Alors, déjà, je vais mettre les fils. Voilà. Alors, du coup, pour deux raisons principales, même trois. Déjà, la première branche, elle a mieux plié dans ce sens-là. Je trouve que la courbure, on la voit moins. Surtout si on se décale comme ça légèrement, on finit par voir en fait un espèce d'accent circonflexe au lieu d'une courbe, d'un pont. Il y a suffisamment de branches pour placer tout ce qu'il faut, hein, que ce soit en face avant ou en face arrière, ça marche aussi. La deuxième raison, en fait, c'est par rapport au bois mort. Je trouve que là, quand on était en face avant, il y avait un bois mort qui venait directement vers nous, alors que justement de ce côté-là, on le voit un peu vers l'arrière et je trouve que c'est plus intéressant. Surtout que là, le jean ici, on va pouvoir peut-être prolonger un espèce de charrie sur ce côté-là, et ce sera beaucoup plus logique par rapport à l'histoire de l'arbre. Le fait qu'il y ait beaucoup de végétation sur le côté et puis moins sur la droite, bah, ça participe au fait que justement, par ce côté-là, il a eu du mal à survivre, et du coup, il y aurait un charrie sur ce côté. Voilà les raisons, donc la première branche, le charrie, et puis la tête, en fait, finalement, on va pouvoir bien la diriger vers l'avant, parce que le fait de l'incliner, finalement, ça fait courber l'arbre vers l'avant, donc ça marche aussi. Donc on va changer de face et je vais mettre en forme cette arme par rapport à cette nouvelle face. Je commence par faire le bas et puis au fur et à mesure je vais monter jusqu'à la tête.
Voilà, j'ai terminé la mise en forme. Bon, ça se voit pas, mais on est le lendemain, en fait. J'ai continué à travailler hier soir assez tard pour terminer la mise en forme. Vous le voyez pas, parce qu'avec la magie du montage, tout arrive en même temps. Mais c'est vrai que ça m'a pris pas mal de temps. Je suis plutôt content du résultat. Bon, évidemment, on peut toujours améliorer des choses. Il y a toujours des placements de branches, des fois, que je redresse, que j'incline un peu plus, que je prends beaucoup de temps à essayer de bien placer les choses. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités, on peut mettre les branches à peu près où on veut, et c'est ça la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités. Il faut vraiment placer les branches au fur et à mesure, et après ne plus y toucher, se dire c'est bon, je m'arrête là, et je construis le reste en fonction. Parce que si je commence à, par exemple à décaler la tête vers la droite, bah, je vais me dire bah, finalement il faudrait que ici je raccourcisse, ou que cette branche elle aille plus vers l'avant, parce que à l'arrière j'ai mis plus de masse. Chaque changement en fait implique d'autres changements. Et en fait c'est infini quoi, on n'est jamais content, donc il faut vraiment un moment se figer, se dire que c'est bon et passer à autre chose, parce que sinon on passe notre vie à corriger tous les défauts. Alors je suis content de la première branche parce que déjà le pliage avec la technique de la fente ça a bien fonctionné, hein. J'ai gagné beaucoup de flexibilité, et puis en plus avec la nouvelle face avant je trouve que l'espèce de U, le pont qu'on avait, il se voit beaucoup moins, on a plutôt un V. Bon, forcément, si on se met vraiment sur le côté, on retrouve un peu le U, mais avec le pliage, ça a permis vraiment de le comprimer au moins. Donc c'est plus joli qu'avant. Donc par rapport à ce pliage, justement, si ça fonctionne, c'est très bien. Si jamais la branche n'a pas supporté l'intervention, ce qui serait étonnant parce que toutes les précautions ont été prises, le raffia, l'auto-vulcanisant, j'ai plié progressivement. Normalement, ça devrait le faire, mais si jamais ça fonctionnait pas, si je perdais la branche, au final, on se rend compte que l'arbre peut fonctionner parce que ici, on garde le feuillage et en fait, on se retrouverait avec un arbre qui a moins de feuillage par la droite. Ou une autre possibilité, c'est carrément de partir sur un lettré. Donc, on garde que quelques branches en haut et puis tout le reste serait nu avec le tronc bah, qui serait plein de charries, de branches mortes. Et ce serait aussi un autre projet possible. Donc, cette branche, elle est assez importante parce qu'en fonction de sa survie ou non, on a un projet associé. Donc après, comme vous pouvez voir, j'ai fait plusieurs petits plateaux. J'ai essayé de les espacer correctement, aussi bien latéralement qu'en altitude. J'ai placé quelques haubans. Alors évidemment, ce hauban pour bien ramener la branche vers le tronc. J'ai ce hauban aussi, je ne sais pas si on le voit, il permet aussi de descendre en fait cette branche qui descend là, pour vraiment la ramener, pour éviter que ce soit que la ligature qui tire sur la branche. Il y a ce jean, c'était une ancienne branche, donc celle-ci je l'ai ligaturée pareil, et en fait je l'ai fait remonter pour que ça ressorte. Comme ça, dès qu'on se met en face avant, en fait, on voit quelques bouts de jean qui ressortent du feuillage, donc quand ça va se remplir, ça va être intéressant, on verra des choses qui vont ressortir. Donc ici, 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 il y a des jeans qui sont un peu plus distraits, en fait je ne les ai pas encore écorcés, donc c'est pour ça que ça ne ressort pas beaucoup, mais quand ça sera écorcé et traité au liquide à jean, ça va vraiment beaucoup plus ressortir. Donc il y en a plusieurs ici. À travers l'histoire que je vous avais racontée au début, j'ai vraiment voulu montrer que cet arbre avait beaucoup souffert de ce côté-là, et c'est la raison pour laquelle il s'est beaucoup développé sur cette partie à droite et qu'il s'est penché. Il y a aussi une branche ici là, qui était en trop. En fait, à ce point-là de la ligne de tronc, on avait vraiment trois branches. Et je me suis dit, si ça continue à se développer, ça va faire un nœud, on va avoir une inversion de conicité tout en haut. J'ai préféré en supprimer une, donc j'ai gardé les deux latérales, à droite et à gauche, et celui qui est en face, j'en ai fait un jean. Donc pour l'instant, je l'ai laissé un peu vers le bas, comme ça. De toute manière, ça peut toujours se retravailler, le bois mort. Il y a la tête aussi qui m'a pris pas mal de temps, parce que au final, comme c'est un feuillage qui est très pendant et puis très allongé, c'est difficile de faire un dôme bien compact, et je me suis embêté en fait à ligaturer toutes les petites branchettes. Il y a au moins 6 branchettes qui forment la tête, donc ça permet de faire des petites branches de plus en plus fines, en fait, pour faire une tête. Donc évidemment, ça va se développer et ça va se remplir. Pour l'instant, ça fait un peu nu. Mais je me suis débrouillé comme ça, avec les toutes petites branches, pour essayer de faire une tête qui ressemble à une tête. C'est toujours la partie la plus dure, hein, de toute façon, de faire une tête. Donc c'est normal que le résultat ne soit pas parfait à ce stade d'évolution de l'arbre. C'est là qu'on voit le défaut de cette espèce. C'est justement ce feuillage qui est très allongé et très mou. Ça ne se tient pas. Et on est vraiment obligé de tout ligaturer jusqu'au bout. Le moindre feuillage comme ça qui dépasse, qui n'est pas maintenu par le film, bah, ça tombe et c'est pas très esthétique. On ne peut pas faire des plateaux qui sont bien, bien plats, qui remontent. Et sous les plateaux, on veut voir juste le bout des branches et pas le feuillage qui descend. C'est ce qui m'a pris vraiment plus de temps, hein. Vraiment la ligature fine sur toutes les petites branches pour essayer de tout remonter. Et évidemment, la sélection à la paire de ciseaux, hein, tout ce qui dépassait que j'ai pas pu ligaturer ou remonter, et bah forcément, j'ai taillé en dessous. Donc ça permet vraiment d'avoir ensuite des plateaux qui sont assez propres. Ça joue sur l'esthétique de l'arbre, je trouve.
Plus les plateaux sont bien faits et propres, mieux c'est visuellement. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est la suite des travaux. Dans cet atelier, j'ai pas pris le temps de travailler toute l'écorce, de retirer justement l'écorce superficielle pour vraiment mettre en évidence la veine vivante. Et aussi, j'ai pas écorcé tous les bois morts et créé des charries. Ça, ce sera dans un autre atelier. Là, pour le moment, ça m'a pris énormément de temps de faire seulement la mise en forme. Plus tard, je pourrais très bien ensuite retravailler toute la ligne de tronc, nettoyer la veine vivante, retravailler tous les bois morts et créer un charri. Le charri que j'imagine, en fait, ce sera vraiment sur cette face extérieure. C'est encore pour accentuer le fait que l'arbre est en danger, entre guillemets, sur cette face-là. Et du coup, il ne faut pas faire un charri dans la partie protégée, il faut faire un charri sur la partie extérieure pour bien aller avec les jeans et montrer qu'ici, on n'est pas en sécurité. Donc un charri comme ça, tout le long, ça pourrait être très intéressant. Voilà, j'espère que cet atelier vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu parce que ça faisait un moment que cet arbre, je l'avais laissé en culture. Donc, vous savez, hein, quand vous mettez les arbres en culture, vous les délaissez sur les étagères, vous faites que d'arroser et d'engraisser. Et à chaque fois que vous passez devant, vous vous dites, bon, bah, celui-là, il faudra peut-être le travailler un jour. Et puis, les jours, les mois passent, et puis, bon, on n'a jamais le temps. Cette période de fin automne jusqu'au printemps, c'est idéal pour les conifères. Donc, c'est la période que j'aime le plus parce qu'on travaille des conifères, j'adore ça. Par contre, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, surtout les genévriers, parce que eux, ils ont beaucoup plus de travail que les autres. La ligature est plus longue parce qu'il faut vraiment tout ligaturer. Il y a une grosse sélection de feuillage à faire. Il y a beaucoup de travail sur les bois morts, sur les charries. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus long. Le pin sylvestre que j'ai travaillé dans la dernière vidéo, j'ai passé moins de temps en fait. Alors que l'arbre est beaucoup plus grand. Mais la ligature, je trouve qu'elle est plus facile. C'est plus facile de faire des pliages, de mettre en forme, de nettoyer les aiguilles. Je trouve ça beaucoup plus simple que le genévrier. Donc à vous de me dire dans les commentaires si vous pensez la même chose. En tout cas, j'ai pris du plaisir à travailler cette arme et je suis content parce que, bah, au final, il avance. Il y a une étape encore supplémentaire, c'est sa deuxième mise en forme. Je trouve qu'il a bien changé dans le bon sens par rapport à la première mise en forme que j'avais faite. Et surtout quand on voit l'arbre au départ, il y a un grand changement. Mais évidemment, c'est pas fini, il y a encore beaucoup d'années de travail. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsaï! Ça c'est vraiment l'erreur que beaucoup de débutants. Ça c'est de l'engrais organique solide, notamment là cette première branche où on a une. Notamment, est-ce qu'on voit ça? C'est-à-dire que là vous avez des. C'est-à-dire que vous avez des insertions. C'est-à-dire que vous avez vraiment des. Ah voilà, le problème c'est que c'est pas stable. Là, si je commence à ligaturer et puis à chaque fois que ça tombe, c'est chiant. Alors, le problème c'est que j'ai pas de cale en bois. Ah putain, il y a le fil. Alors, comment je vais pouvoir faire ça, moi? Pour l'instant, je prends la grosse pince. Pour l'instant, je prends la grosse pince où il y avait vraiment des branches bien réparties, où il y avait bien des... Et que, bah... Et là, maintenant, je pense qu'on a... Alors, je vais le mettre comme ça.
Quoi d'autre? Ah oui, et puis. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bon, forcément, si on se met vraiment sur le côté. Allez, vous le voyez pas là.